Ne touche plus à mon argent. Pardon. Où est mon argent? J'ai dit, où est mon argent? Je voulais préparer quelque chose pour que tu manges quand tu allais rentrer du travail. C'est pour ça que j'ai utilisé l'argent. Je voulais préparer quelque chose. C'est pour ça que j'ai utilisé mon argent. Simplement dit. Je vais. Je vais te tuer. Pardon. Pardon. Je vais te tuer. Je t'assure que je vais. Oh Seigneur, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Tu as moins d'une heure. Je dis bien, tu as moins d'une heure pour me restituer mon argent. Est-ce que tu me comprends? Oui, je le ferai. Est-ce que tu entends? Oui, j'entends. Arrête de me parler. Je vais chercher ton argent. T'es encore là, hein? T'es encore là? T'es encore là, hein? Essaye de revenir ici sans mon argent. Tu verras ce que je vais te faire. Essaye de revenir ici sans mon argent. Essaye. Tu me diras qui t'a donné le droit de toucher à mon argent sans mon consentement. Toi, oui, toi, je dis bien toi. Je vais te montrer qui je suis ici. Je... Écoute, comment pourrais-je évoluer avec une telle femme? Comment? Tu verras. Je t'assure. Qui est là? Oh, 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 oh! Donc tu te soucies de tes babouches, hein? Tu te soucies de tes babouches! Ne t'en fais pas. Je t'attends ici. Va et rentre sans mon argent. Là-bas. Azoukou? Monsieur? Pourquoi est-ce que je te paye dans cette maison si ce n'est pour faire ton travail? Tu blagues beaucoup et je n'aime vraiment pas ça. Désolé, monsieur. Tu dois être beaucoup plus concentré. C'est compris. Très bien. La raison pour laquelle j'ai fait appel à vous est très simple. Quand je regarde à ma montre, je vois qu'il est presque 14h30. Et comme vous le savez, mon fils sortira bientôt de l'école. Seulement, j'ai une importante réunion avec des collègues dans quelques minutes, donc je dois vraiment y être. Alors sur ce, je voudrais que vous preniez un taxi et que vous allez chercher mon fils à l'école. C'est compris? Oui, tous les deux. Vous comprenez? Oui, monsieur. Alors, Nana, je tiens à ce que tu l'accompagnes. Hein? Accompagne-le. Vous allez emprunter un taxi et ensuite vous allez le chercher à l'école. Est-ce que c'est clair? C'est compris, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Attendez que... Viens là. Où est-ce que tu vas? Monsieur, je veux me changer et mettre quelque chose de mieux. Ça, c'est déjà bon. C'est juste pour aller le prendre à l'école. C'est bien, c'est bien. Dépêche-toi d'aller mettre quelque chose de bien. Attends, attends. Laisse-moi... Prends ceci, ok? Tu vas faire la monnaie, hein? Oui, donne-moi... monsieur. Je pense que ce sera suffisant pour le taxi. Tiens. Azoukou. Monsieur. Laisse-la. Laisse-la arrêter l'argent. Je ne te fais pas confiance. Je vais conduire. Conduire quoi? Tu veux endommager ma voiture, c'est ça? J'ai dit prenez un taxi. C'est pour cette raison que j'ai donné de l'argent. Oui, monsieur. Non, allez-y, allez-y, allez-y. Tu peux aller l'attendre dehors. Elle veut se changer. Quand elle aura terminé, elle te rejoindra. Et vous irez. Avant que je ne... Regarde ce que tu me fais faire. Vraiment, ce garçon. Qu'on appelle Asuko.
Ma petite fille chérie, comment était l'école aujourd'hui? L'école était bien, papa et maman. Oh, maman? Maman est sortie. Je pense qu'elle est allée nous faire quelques petites courses pour la maison, ma chérie. Papa, es-tu sûr? Ah, bien sûr que je suis sûr, mon bébé. Allez, viens là. Voilà. Donc, tu ne crois plus en ton père maintenant? Si, je te crois. Promets-moi que tu ne frapperas plus jamais, maman. Papa, ce n'est pas bien. Ok. Mais ce n'était pas de ma faute aujourd'hui, bébé. Tu sais que ta maman m'a beaucoup énervé. Je veux dire, elle ne sait même pas comment parler à son mari, mon amour. Mais t'inquiète pas, je te promets, bébé. Ça n'arrivera plus, ok? Je vais me rassurer que quel que soit ce qu'elle fera pour m'énerver, je vais me contrôler désormais, ok? Ok. Allez, viens là. Oh. J'espère que ta maîtresse ne t'a pas touché aujourd'hui à l'école. Parce que si elle l'a fait, elle aura vraiment affaire à moi. Regardez comment les pieds de ma petite fille sont jolis. Ah. T'as de beaux pieds, bébé. Ouais. Bon, je ne vais pas laisser tes jolis pieds toucher le sol. Je vais te porter et t'emmener à l'intérieur comme ça, mon bébé. Madame, celui-ci est plus gros. Combien coûte celui-ci? 2500. Mais madame, pourquoi sont-ils aussi coûteux? J'ai 1500. Tu ne sais pas que le poisson est très cher? 1500. Non. Nous avons 1500. Le poisson est très cher. C'est pas bon. Non. Le poisson est vraiment cher. Non, je prendrai 2500 parce que c'est vous. Vous m'avez supplié. Vous m'avez supplié et c'est pour cela que je vais vous laisser à 2500. Eh bien, pourquoi tu la regardes comme ça? Tu la connais? Bien sûr que je la connais. Ça ne fait pas longtemps qu'elle s'est installée au village. Ok, cette femme dont j'entends toujours son mari l'a frappée à la moindre occasion? Exactement. Oh! Mais pourquoi demande-t-elle de l'argent? Peut-être que son mari a décidé de l'en priver aujourd'hui. Que peut-elle faire? En dehors de mendier. Est-ce aussi mauvais que ça? Elle me fait pitié. Pourquoi tu pitié d'elle? Quelqu'un l'a forcée à se marier? Eh ben oui. Pourquoi parles-tu ainsi? Ça pourrait être toi à n'importe quel moment. Non, non, c'est ça. C'est ça la vie. Attends, laisse-moi aller lui donner quelque chose. Attends. Quoi? Quitte, écarte-toi. Madame, vous n'achetez pas? J'arrive. S'il te plaît, juste tiens ça, ajoute à ce que tu as. Je t'en prie. Oui, prends. Merci, ma sœur. Merci. Merci. S'il te plaît, débrouille-toi avec. Que dites-vous? Débrouille-toi avec. Je me débrouille? Oui. Jésus, mais ce n'est pas une petite somme. J'ai... Merci. De rien. Y a pas de quoi. Excuse-moi, où habites-tu? Puis-je te rendre visite un de ces jours? Où habites-tu? Puis-je te rendre visite un de ces jours? Ok. J'habite à 25 mètres de la vieille école. Mais s'il te plaît, ne viens pas chez moi. Ne viens pas, s'il te plaît. Pourquoi? Écoute, mon mari n'aime vraiment pas du tout qu'on vienne me rendre visite à la maison. Je suis vraiment désolée, ok? Je suis au courant de la manière dont ton mari te traite tous les jours et j'en suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Ça va, ma chère. Tout le monde a son fardeau à porter. Je pense que ça, c'est le mien. Je le porterai. Non. Mais vraiment, merci pour ta compassion. Tu n'es pas obligée de le porter toute seule. Du moins, plus maintenant. Je viendrai te voir demain. Nous avons beaucoup à nous dire. Ok? Ok.
Désolé, je peux avoir ton numéro pour téléphoner avant de passer. Anna. Ma sœur, je vais bien. Quand tu profites de la ville, comment vas-tu te souvenir de quelqu'un? Je t'écoute. Mon mari va bien, grâce à Dieu. Tu me manques vraiment. Chichi, vois-tu? Anna, je te rappelle plus tard, je te rappelle. Je t'appelle depuis plus d'une minute et tu es ici. Tu ne me réponds pas, pourquoi? Chérie, je suis désolée, j'étais au téléphone. Je ne t'ai pas entendu. Comment pourrais-tu m'entendre? Non, dis-moi, comment pourrais-tu m'entendre quand tu es en pleine conversation avec ton amoureux en secret et tu penses que je ne suis pas au courant? Alex. Chérie, comment peux-tu me dire une chose pareille? Tu sais que je ne pourrais jamais te tromper pour absolument rien au monde. Alors avec qui est-ce que tu parlais au téléphone? Je parlais avec Annabelle, une amie. Et tu continues de me mentir. Et tu oses continuer de me mentir. Tu me regardes dans les yeux et tu oses me mentir. Et tu oses... Je t'assure que je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais finir avec toi. Je vais finir avec toi. Tu me regardes dans les yeux et tu oses me mentir. Donc tu me trompes. Pourquoi? Maintenant donne-moi ce téléphone. Donne-moi ce putain de téléphone. Allez, donne-moi ce téléphone. Je verrai donc comment tu feras encore pour parler à ton amoureux secret. Foutaise. N'importe quoi. Donc les hommes sont méchants à ce point? Mon Dieu. Non. Ça va. Ne pleure pas, ok? Ne pleure pas, s'il te plaît. Je viendrai te voir demain, on parlera de tout, ok? Ça va. Je te verrai demain. Prends soin de toi. Merci. Merci vraiment. Merci beaucoup. Ok. Bye. Prends soin de toi. Bye. De rien. Bye bye. Oh. Très triste. De quoi est-ce que tu parles avec cette femme? De quoi est-ce que tu parles? Esther, tu dois me dire de quoi tu parles avec cette femme. Esther! 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 Attends. Est-ce que tu vas me dire de quoi est-ce que tu discutais avec elle ou non? Hey Barry, pourquoi penses-tu que j'avais une conversation déplacée avec elle? S'il te plaît, arrête avec ton gros français et dis-moi ce que je veux savoir. Très bien. Elle me racontait juste ses malheurs. Voilà, tu recommences. Hey Barry, pouvons-nous au moins aller à la maison? Ce soleil est brûlant. Vraiment très brûlant. Je te dirai tout à la maison, s'il te plaît. Pourquoi ne peux-tu pas me le dire maintenant? Hey Barry, nous sommes en route. Veux-tu qu'on commence à parler en route? Allons, peut-on rentrer? S'il te plaît, arrête de me crier de... Désolée, je ne crie pas. Je te dirai tout à la maison, s'il te plaît. Hein? Pouvons-nous partir? D'accord, allons-y. Merci. Oh, Dieu. Papa! 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 Hé! Mon petit garçon! Alors mon grand, comment vas-tu? Bien, papa! Ah, c'est super! Je remarque que tu as une très bonne mine. Ça veut dire que ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui. Oui, papa! C'est super! Bon garçon, bon garçon! Mon petit garçon! Ah. Tu vas où? Je suis en train de sortir, comme tu peux évidemment le voir. J'ai une réunion d'affaires et je dois y aller. Je serai de retour avant même que tu ne t'en rendes compte. D'accord, papa. Aurais-tu du temps pour m'aider à faire mes devoirs? Bien sûr que oui. Ah, tu sais, mon fils, peu importe le travail, j'aurai toujours du temps pour toi. Alors, voici ce qu'on va faire.
Aussitôt que j'aurai terminé et que je serai de retour, on s'y mettra tous les deux, ok? Ok, d'accord. Tu es un très bon garçon. Ça, c'est mon fils. Allez, tu me fais un gros câlin. Ça, c'est mon fils. Super. Ça, c'est mon garçon. Où est cette fille? Nana? Monsieur? Viens, s'il te plaît. Monsieur. Oui, Nana. Comme tu peux le voir, je dois m'absenter. Je veux dire sortir. Je dois aller voir un ami. Nous avons un rendez-vous d'affaires. Raison pour laquelle je voudrais que tu prennes soin de Stanley. Oui, monsieur. Rassure-toi qu'il enlève ses vêtements, qu'il prenne son bain et ensuite seulement tu pourras lui donner à manger. D'accord? D'accord, monsieur. Bien. Stanley, je te vois à mon retour, hein? Ok, va avec Nana. Elle va très bien prendre soin de toi. Bon garçon. Viens avec Nana. Moi. Nana, il faudra bien prendre soin de lui. Oui, monsieur. Ah, je l'espère. Ok. Où est mon téléphone? Ah, ok. Bye bye. Azoukwa? Mais où est passé ce garçon? Je suis en retard. Azoukwa? Monsieur? Où es-tu? Viens. Allez, va ouvrir le portail. Dépêche, dépêche. Le portail? Oui. J'ai quelque chose à vous dire, monsieur. De quoi s'agit-il? Il y a un problème? On m'a appelé au village pour me dire que ma mère est malade et que j'envoie 2000 pour les frais de l'hôpital. Je ne comprends pas. Ta mère est malade au village? Oui, monsieur. Et on te demande d'envoyer 2000 pour les frais d'hôpitaux? C'est ça, monsieur. Quel genre d'hôpital ne prend que 2000 naira pour des soins? Ouais, je sais pas, on m'a dit juste d'envoyer 2000 pour les frais de l'hôpital. Ça n'a vraiment pas de sens. 2000 naira? Qu'est-ce qui t'a demandé de donner 2000 naira pour des soins? En tout cas, pas de problème, vas-y, ouvre le portail et à mon retour, je te donnerai 5000 naira. Oui, ça m'aide. Oh, merci, monsieur. Oui. Allez, dépêche-toi. Ouvre le portail, je suis en retard. D'où est-ce que tu viens comme ça? Je demande, d'où est-ce que tu viens, madame? À ton avis, j'étais en route, chercher l'argent comme tu m'as demandé. Où as-tu trouvé cet argent? Tu n'as pas à me poser cette question. Pas du tout. Le plus important, c'est que ton argent soit de retour. Tiens, voilà ton argent. Reprends-le. Reprends ton argent, Alex. Reprends-le. Je vais tout voir avec cette femme. Oh, oh, tu as déjà des ailes. Attends que je vérifie tout ça. Maintenant, dis-moi qui est l'homme qui t'a donné cet argent. Je répète, quel homme t'a donné cet argent? Je dis, hein, qui t'a donné cet argent? Quel est l'homme qui t'a donné cet argent? Arrête, tu me fais mal. Je dis, où est-ce que tu as pris cet argent? Aucun homme ne m'a donné cet argent. J'étais au marché, j'ai demandé l'argent toute la journée. Oui. Tu es allé mendier. Tu es allé mendier au marché. Donc ça ne te suffit pas déjà de salir mon nom partout? Il fallait aussi que tu verses la honte et le déshonneur sur moi. Mais que voulais-tu que je fasse? Hey. Que voulais-tu que je fasse? Tu m'as dit de ne pas rentrer sans argent. Hein? Que voulais-tu que je fasse? Tu veux me tuer dans cette maison, c'est ça? Tu veux me tuer? Tu veux me tuer? Mets ta chaussure, nous sommes déjà en retard. On doit se réveiller un peu plus tôt demain, hein? Maintenant, écoute. Je ne veux pas entendre que tu as cherché des problèmes à l'école. Tu m'entends? D'accord, maman. Maman et moi, je ne veux pas entendre que papa et toi, vous continuez de vous bagarrer.
Désolé, papa et moi ne se bagarrera plus. Je te le promets, ok? Ah, tu es déjà là. Bonjour. Dis bonjour à Tantine. Bonjour, Tati. Bonjour, ma chérie. Je vois que tu es prête pour l'école. Oui. Comment tu vas? Comment va ton mari? Est-il à l'intérieur? Non, il est au travail. Esther, s'il te plaît, donne-moi quelques minutes. Je l'accompagne à l'école. Hein? Ok. Assieds-toi et attends-moi. Si, d'accord. Sois sage à l'école. Oh. Ne cherche pas les ennuis. On y va, d'accord. Chérie. D'accord. Bye. Bye. Je reviens tout de suite. C'est d'accord. Mon frère, ça bouge ce matin? Le marché est vraiment difficile aujourd'hui. Depuis le matin. Hein? Plus avec ce soleil. Je suis fatigué depuis le matin au camp avec ce soleil brûlant. C'est difficile, il fait trop chaud. Ça me fatigue. Regarde cet imbécile. Regarde cet imbécile. Regarde ce qu'il fait. Mon ami, ça ne sert à rien. Il va finir par perdre sa vie. Continue. Madame, vous allez où? On va? Venez, on va. Venez, on va. Je suis en train de prendre tous les clients. Hein. Vas-y avec elle. Moi j'attends mes clients, malgré ce soleil. Courage à toi. Hein. Ok. Depuis combien de temps est-ce que ça dure? Ma sœur, c'est depuis que nous sommes revenus au village, depuis que nous sommes arrivés ici. Mais as-tu essayé de savoir pourquoi? Pourquoi il te fait subir tout ça? Je veux dire... Je l'ai fait. Vraiment? J'ai absolument tout fait pour plaire à Alex. Mais plus j'essaie, plus je reçois des coups. La seule chose que je n'ai pas encore faite, c'est de me tuer. Je t'assure. Il dit que c'est moi la cause de son échec. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça signifie? Comment? Imagine. Laisse tomber ma chère. C'est une longue histoire. Quelque chose dont je n'ai pas envie de parler maintenant. Titi, nous sommes maintenant des amis. Ça veut dire que tu peux partager tout et rien avec moi. Et en plus, j'ai tout le temps du monde. Alors, s'il te plaît, je veux l'entendre. Dis-le-moi. Hein? Quand nous étions en ville, Alex travaillait pour un grand politicien qui a posé ses yeux sur moi. Il me voulait moi. Il voulait coucher avec moi. Alors j'en ai parlé à Alex. C'est tout ce qu'il m'a dit. Non, qu'a-t-il dit? Il a dit que je devais céder et coucher avec lui. Quoi? Alex m'a demandé de céder et ensuite de coucher avec son boss. Je ne le pouvais pas. Je ne me voyais pas coucher avec un autre homme. Comment aurais-je pu le faire? Par conséquent, son boss l'a renvoyé. Les choses ont commencé à aller de mal en pire à partir de ce jour. Nous sommes revenus à zéro. Nous n'arrivions même plus à manger. Alors on a dû retourner au village. À l'instant où nous sommes arrivés ici, Alex a commencé à me voir comme son ennemi. Il n'y a rien que je puisse faire dans cette maison qui lui soit agréable. Il me frappe à la moindre occasion. Oh, Jésus. J'ai peur pour ma vie. J'ai peur de tout ce que je vais devenir. Regarde,
Tu ne dois pas pleurer. Ah, mais ton mari est un vrai diable. Je veux dire, je n'arrive même pas à croire qu'il voulait que tu couches avec quelqu'un d'autre. Mais que devient ce monde? Ça va. Regarde, maintenant tout ira pour le mieux, je te le promets. Ça va, tu ne dois plus pleurer. Juste calme-toi, tout ira pour le mieux, ok? Ok. Je te le promets, tout ira bien. Merci. Ça va aller. Qu'est-ce que ce monde devient même? Accepter qu'on couche avec ta femme? Beaucoup, madame. Allez, au revoir. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi. Il y a un problème? Vous avez oublié quelque chose? Pas du tout. Je veux juste te poser une question. J'écoute. Pourquoi vous, les hommes, vous aimez frapper vos femmes? Moi, je ne comprends pas. En quoi est-ce que ça me concerne, madame? Je ne comprends pas. Les hommes frappent sur leurs femmes et où est mon problème? Hé, j'ai l'impression que tu es folle. La façon dont tu me poses cette question avec ta longue bouche là, je n'ai même pas besoin de demander pour savoir que ton mari frappe souvent sur toi, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, toi, on devrait bien te frapper. Pour le simple fait que tu me poses cette question avec ta bouche qui bavarde comme l'oiseau, que tu, je t'assure qu'on devrait bien te frapper. En quoi est-ce que ça me concerne? Hé, je vais tout voir dans ce quartier. Cette question s'adresse à toi. Quel plaisir tires-tu à frapper ta femme? Ce n'est pas possible. Dieu, où est ton problème là-dedans? Toi, tu n'as rien à faire dans ta maison? Attends, mais qui es-tu exactement pour te placer devant moi et commencer à me questionner? D'où est-ce que tu me sors une question pareille? Et il faut te méfier, hein? Qu'est-ce qu'il y a à te mêler de ce qui ne te concerne pas, non? C'est toi qui m'as aidé à épouser ma femme? Écoute, faut te méfier de moi. Méfie-toi très bien de moi. Méfie-toi de moi. Ne me cherche même pas dans ce quartier. C'est toi qui m'as aidé à épouser ma femme? Est-ce que c'est toi qui m'as aidé à payer la dot? Tu as quel problème? Pourquoi tu me poses ce genre de questions? Hey, je vais tout voir dans ce quartier. En tout cas, ce n'est pas de ta faute. Regardez-moi celle-là. Essaye encore de me poser ce genre de questions et tu verras. Va-t'en, va-t'en. Tu ressembles au chewing-gum qu'on a piétiné. Maman, s'il te plaît, chante-moi une chanson. D'accord, on va chanter, ok? J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Où est cette femme? On n'a rien là. Toi, donc tu as le toupet de parler de moi aux gens dans la rue? Non, en fait, tu as le toupet de parler de ton mari avec des étrangers. Est-ce que tu as perdu la tête? Chérie, je ne comprends pas de quoi tu parles. Je n'ai parlé de toi à personne. Attends, donc c'est moi qui suis devenu faux? Tu me regardes dans les yeux et tu me dis que ce que non, je dis n'a aucun sens? Non, je n'ai parlé de toi. Tu me regardes dans les yeux et tu dis que ce que je dis n'a aucun sens, hein? Donc tu racontes n'importe quoi, hein? Tu racontes n'importe quoi? Je vais te tuer avec mes propres mains, bébé. Tu m'as mordu. Je ne comprends même pas de quoi tu parles. Je n'ai parlé de toi à personne. Aïe, tu as réussi à monter ma fille contre moi. Contre moi. Je suis désolée. Aïe. Dégage. Toi, qui est-ce? Entre à la maison. Entre à la maison. Toi, je vais te tuer. Je vais te tuer avec ces babouches. Je vais te tuer comme un cafard. Comme un cafard. Hé, hey, toi, va à l'intérieur. Allons-y. Laisse mon enfant. Où est-ce que tu veux aller? Donne-moi mon enfant. Donne-moi mon enfant. Tu reviens encore ici? Donne-moi mon enfant. Reviens. Comme tu n'as pas peur de moi. Reviens. Cafard. N'importe quoi. Toi. Donc tu es de mèche avec ta mère, hein? Je suis ta mère. Hein? Je suis ta mère, hein? Tu vas me dire aujourd'hui si c'est ta mère. Ou alors si c'est moi qui t'ai mis au monde. Tu vas me dire ça.
Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dois la chercher. Qui? Je dois la chercher. Esther! Même si là, vous l'avez tué. Regardez, elle respire. Je ne l'ai même pas frôlée. Regardez, elle ne respire plus. Elle est morte. Hein? Monsieur, portez cette femme. Peut-être qu'elle n'est pas en commande. Amène cette femme à l'hôpital. Qu'est-ce que tu attends? Je pense que vous plaisantez. Regardez, ma monsieur, on vous demande. On vous demande de porter cette femme à l'hôpital. Qu'est-ce que tu attends? Puisque je dis que... Pourquoi est-ce que vous bavardez ainsi? Hein? Amenez-la à l'hôpital. Alors, dans ce cas, aidez-moi. Aidez qui? Aidez-moi à la porter et à la mettre dans la voiture. Portons-la, portons-la. Monsieur, vous n'êtes pas du tout sérieux. Allez. Tu as tué quelqu'un. Va payer pour ça. Ouvre la portière, ouvre. Ouvre la portière. Ok, aidez-moi. Comme, êtes-vous? Qui? Venez avec moi. Avec qui? Venez avec qui? Je te connais. S'il te plaît, viens, je ne te connais même pas. Mon frère, viens, allons avec lui. Moi, je le connais. Je m'en vais. Mais monsieur, venez. Écoute, je m'en vais. Viens, viens, je ne connais même pas cette femme. Amène cette femme à l'hôpital. Monsieur, venez, non? Venez, et allons. Allez où? Allons avec moi, je m'en vais. S'il te plaît. Hein? Ok, nous, on peut partir. Viens avec moi, s'il te plaît. Je ne la connais même pas. Je ne sais même pas qui est cette dame. Monsieur, regardez bien. Tu n'as pas envie de venir? Ah, monsieur, trappe de bavardage, amenez-la à l'hôpital. Ne me poussez pas, appelez les gars ici spécialement pour vous. Puisque je dis que je ne l'ai pas tué. Monsieur, entrez dans votre voiture, non? Regardez vous-même votre voiture. Je trouve qu'elle est suspecte, tout comme vous-même. Mon frère, c'est bon. Hein? Tu ne viens pas? Non, je ne viens pas. Monsieur, amenez cette femme à l'hôpital. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Où est ta maman? Elle est partie. Pourquoi? Elle s'est encore battue. Bonjour. Et qui êtes-vous pour questionner ma fille comme si vous étiez des inspecteurs? Mon nom, c'est Esther. Qui t'a demandé ton nom, madame? J'ai dit, que faites-vous chez moi? Je suis venue chercher la femme que tu maltraites constamment. Et malheureusement, je ne la trouve nulle part. Tu l'as chassée, n'est-ce pas? Sandra, lève-toi bébé, lève-toi. Viens par là, allez, viens. Donc tu es venue chez moi pour chercher ma femme. S'il te plaît, depuis combien de temps est-ce que mon épouse et toi vous connaissez? Ça, ce n'est pas nécessaire. Toi, le bon à rien, bastonneur de femme. Hein? Mm-hmm. Comment tu m'as appelé? Comment oses-tu? Si tu essayes ça, si tu essayes, je vais me rassurer que tu passes le reste de ta misérable vie derrière les barreaux. Hey. Et si je ne retrouve pas cette femme, tu vas regretter le jour où tu es né. Je peux te le rassurer. Tu veux? Hey. C'est tout ce que tu as à dire. Non, mais regardez-moi la sorcellerie. Le quartier, c'est mes dépassants. Yeah! Je comprends pourquoi ma femme se comporte autrement. Regardez le genre de personne avec qui elle marche déjà.
Des filles qui portent les chaînes aux pieds au lieu de porter sur le cou. Yay! C'est certain. Elle a dû aller quelque part pour se cacher. Jusqu'à ce que les choses se calment. Quelque part comme où est Barry? Ah. J'aurais aimé savoir. Peut-être chez Amatana. Qui pourrait savoir? Tu connais la maison d'Amatana? Non, pas du tout. Ah. Ah. Esther, tu te sens tellement concernée par cette histoire. Ou alors il y a autre chose que tu ne me dis pas? Eh Barry, il n'y a rien d'autre. Tu sais exactement ce que j'ai étudié à l'école. Je fais dans l'humanitaire. Je déteste voir les gens couler des larmes. Spécialement quand ça vient d'un homme qui fait du mal à une femme. Ce bon n'a rien de mari. Bastonneur de femme, il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit de maltraiter cette femme innocente comme ça. Je souhaite... je souhaite vraiment qu'il y ait quelque chose que je puisse faire. Je suis confuse. Honnêtement, tel que ça se présente, il n'y a rien que tu puisses faire pour ça. La femme en question est actuellement introuvable. Regarde, je ne compte pas abandonner mes recherches. Et si d'ici demain soir, je ne vois pas cette femme, j'irai faire arrêter son bon à rien de mari. Esther, tu ne peux pas faire une chose pareille. Vraiment? Oui. On verra. Chichi? Papa, qui était? Oh, Stan. Désolé de ne pas te l'avoir dit avant. Tu vois, je ne la connais même pas. C'est une jeune femme que j'ai rencontrée tout à l'heure en chemin quand je rentrais. Et la voiture que je conduis a failli la renverser. Et je ne cesse de dire à Dieu merci. Parce que ce n'est pas arrivé. Tu vois, mes prises de peur, elles s'est évanouies. Voilà pourquoi je l'ai ramenée à la maison. Est-ce que tu comprends? Ok. Mais papa, va-t-elle encore se réveiller? Bien sûr. Bien sûr, comme je te l'ai dit, je ne l'ai pas cognée. Ma voiture ne l'a même pas effleurée. C'est juste la peur. Quand elle se sera bien reposée, je suis sûr et certain qu'elle reprendra conscience. Ah, je pense qu'elle se réveille. Stanley, attends, assieds-toi un instant de côté. Tu es debout? Est-ce que ça va? Tu es réveillé? Dieu merci. Est-ce que tout va bien? Où suis-je? Vous êtes chez moi. Oui, j'habite ici. Oui, c'est ma maison. Excusez-moi. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Comment suis-je arrivé ici? Ok, tu es chez moi, comme je te l'avais déjà dit. Et mon nom est Patrick. Et voici mon fils, Stanley. Tu vois, il y a de cela une heure, tu courais vers la route et moi, en venant, ma voiture t'a presque renversé. Et Dieu merci, ça ne s'est pas du tout produit. Tu vois, et au lieu de t'amener à l'hôpital, j'ai décidé de t'emmener ici parce que je sais que c'est dû au choc. Tu comprends, c'est le choc de, tu vois, de toute la scène. Voilà pourquoi je t'ai amené ici. Voilà. Désolé. Je ne sais pas comment j'ai rencontré votre voiture et je ne me souviens de rien. Mehdi, permets-moi de te demander. Je veux dire, je me demande qu'est-ce qui aurait poussé une aussi belle femme comme toi à courir sur la route comme ça. Y aurait-il quelqu'un, une personne après toi? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Peux-tu me le dire? Vas-y, explique-moi. S'il vous plaît. Avant de dire quoi que ce soit, puis-je avoir votre téléphone pour passer un appel? Je dois appeler une amie. Je dois l'appeler maintenant. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Eh ben, sans problème, sans problème. Ok, ok. Ok. Bien. Ok, tiens. Pardon, es-tu sûr que ça va? Ça va? Ok, tu peux appeler ton ami. Je suis vraiment désolé. Je suis très content que tu te sois réveillé maintenant. Je vous suis reconnaissante. Bien sûr, bien sûr.
avec toi. J'espère que tu ne m'as pas emmené ici pour me raconter encore tes bêtises. Des bêtises? Des bêtises? Non mais je t'en prie, oublie toutes ces histoires. N'importe quoi, tu me parles gros français. Écoute, c'est qui le cadavre que monsieur a amené ici? Cette femme? Cadavre? Toi t'as pas vu? Elle est toujours là. Asuka, je ne t'ai pas dit. Un cadavre. Qui t'a dit qu'elle était morte? Elle était dans la voiture et le patron a dit que je la porte. Ah, Asuka. Regarde mon joli habit que le patron m'a acheté. J'ai porté ça pour venir ici, pensant que tu allais me dire de bonnes choses. Et tu espérais que j'apprécie ton habit? Moi, amoureux de toi, si je te dis que je le suis, toi-même, tu croiras à ça? Même un aveugle va passer en regardant sa route. Moi, tomber amoureux de toi, dans cette maison. Cette femme n'est pas morte, elle est juste inconsciente. Inconsciente? Pourquoi n'est-elle pas restée inconsciente dehors? C'est dans la maison du gars qu'elle vient rester inconsciente. Asuka, écoute-moi très bien. Comme tu me regardes là, je vais retourner à mon poste avant que le patron ne me cherche. Je n'ai même pas une minute de mon temps à perdre avec toi. Regarde, il retourne à mon poste. Tu ne nettoies pas toutes ces concessions entières? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas tout le travail? Tu devrais le faire. Tu es juste là, bavardé toute la journée. Laisse-moi tranquille. Regarde-la. Je n'arrive vraiment pas à croire qu'il y ait encore des hommes dans ce 21e siècle qui soient toujours aussi méchants et toujours aussi cruels envers leurs femmes. Je veux dire que c'est vraiment incroyable. Quand j'ai rencontré Alex, si seulement on m'avait dit que je vivrais des jours comme ça. Si on m'avait dit qu'un jour, qu'Alex lèverait un jour la main sur moi. J'aurais regardé cette personne dans les yeux. Je lui aurais dit qu'il ou elle est en train de me mentir. Juste en une fraction de seconde, mon mari aimant est devenu un vrai monstre. Il n'y a rien que je fasse qui lui plaise. Absolument tout ce que je fais l'irrite. Et même si je puise de mon sang, ça ne plaira toujours pas à Alex. Jamais. Et je me suis demandé, où est-ce que j'ai fauté? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quoi? Tout ce que tu viens de dire, je comprends que ton mari a un véritable problème et ça me met hors de moi. Et à cause de ça, il devrait être arrêté. Il doit passer en justice. Je veux dire, il ne peut pas te traiter ainsi et s'en sortir comme ça. Non. Laisse-moi juste passer un coup de fil à un ami. Il sera arrêté. Non. Non. Monsieur Patrick. Non. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est mon mari. Et je l'aime encore. Je ne sais pas ce que ça ferait à ma fille de voir son père être arrêté comme ça. Je ne peux pas le supporter non plus. Je l'aime tellement. J'apprécie, ok? J'apprécie votre compassion. Je vois votre compassion. Vous voulez me rendre justice. Je sais. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne l'arrêtez pas, je vous en supplie, ne l'arrêtez pas. Je vais le laisser en liberté juste à cause de ce que tu viens de dire.
et à cause de ta fille. Mais sinon, avec tout ce que tu viens de dire, crois-moi, il devrait passer en justice. Je veux dire, quel que soit le souci, quel que soit le problème que tu as avec ta femme, ce n'est pas une raison valable pour te mettre à la frapper. Ce n'est pas une raison pour lever la main sur ta femme, ta propre femme. C'est très mal. Eh bien, tu sais, toutes les fois où j'ai eu des soucis avec ma femme avant qu'elle rentre en Europe, je ne l'ai jamais battue. À aucune occasion, je n'ai osé lever la main sur elle. Je veux dire, pourquoi est-ce que ton mari te frappe continuellement de cette manière? Pourquoi n'arrête-t-il pas de te battre comme ça? C'est vraiment très mal. Ah, ok. Je suis désolée de ce qui s'est passé avec votre femme. Ex-femme. Je suis désolée. C'est ok. Tout ceci appartient au passé maintenant. Ça va. Ça va. Moi, je suis désolée pour ton mari et toi, d'accord? Mais je suis sûre que ça ira. Tout va bien se passer. Tout ira bien. Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Je crois que ça doit être mon ami. Je pense. Ok, celle que tu viens d'appeler. Je pense que c'est elle. Ok, le portier va lui ouvrir. Attends une minute. Ça ira, tout va s'arranger, ok? Ok. Ah. Ouais. C'est qui? Pourquoi ça prend autant de temps pour ouvrir? Vous voulez quoi? Nous cherchons la femme que ton boss a hébergée. Quelle femme? Peux-tu juste aller à l'intérieur et dire à ton patron qu'il y a des gens qui le cherchent? Des gens? Oh, peux-tu juste aller le lui dire, oh, s'il te plaît? J'arrive. Ah. Oh, je ne comprends pas ce je genre de... Je ne comprends pas les gens. N'importe quoi. C'est bon, vous pouvez entrer. Ah, Sandra. Sandra. Viens manger, mon bébé, le repas est déjà prêt, ok? Je n'ai pas faim, papa. Tu n'as pas faim? Mais tu n'as quasiment rien mangé depuis que tu es rentrée de l'école. Je ne vais rien manger jusqu'à ce que maman revienne. Quoi? Crois-moi, je suis même prête à mourir. Seigneur Jésus. Donc tu es prête à mourir parce que ta maman n'est pas à la maison. Sandra. Sandra. Hé. Dans quelle merde je me suis fourré? Si cet enfant meurt entre mes mains, qu'est-ce que je vais dire? Où est-ce que je vais commencer à chercher sa mère maintenant? Où est-ce que je vais commencer à la chercher? Je sais pas. Alex, on t'a toujours dit de te calmer, de contrôler ta température. Tu n'écoutes pas les gens. Tu n'écoutes pas, tu es toujours en train de frapper sur les gens. Pourquoi? Voilà maintenant. Si quelque chose de mauvais arrive à cet enfant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais maintenant commencer par où pour chercher sa mère? Je vais commencer par où? Ok, Sandra, viens manger mon bébé, viens manger s'il te plaît, viens. Après avoir mangé, on va aller chercher ta mère, tu comprends? Je dois rentrer à la maison. Je sais que ma fille est vraiment, vraiment très inquiète pour moi. Elle va me chercher. Qui? Tu ne peux pas rentrer comme ça. Tu ne peux pas partir. Ma sœur, comment tu peux dire ça? Que va devenir ma fille? Hein? Ta fille, c'est sa fille. Je suis sûre qu'il prendra soin d'elle. Oui. Ah. C'est vrai. Alors, je pense que je suis d'accord avec tout ce qu'elles disent. Tu sais que tu devrais rester au moins un jour. Tu sais, si elle ressent ton absence, je le sais. Il ne pensera plus jamais à lever la main sur toi. D'accord?
Alors tu peux rester autant que tu veux. Vous êtes vraiment gentil, monsieur Patrick. Merci. Soyez béni. Ça va. J'ai compris. Tout ira bien. Merci. Merci. Si vous m'aviez laissé coucher là-bas, sur cette route. Si vous ne m'aviez pas emmené ici. Que serais-je devenu? Que serais-je devenu? Ça va. Ça va, arrête de pleurer. À l'époque, Alex était un homme bon. À une époque, j'ai de bons souvenirs. Comment mon mari est-il devenu un monstre? C'est quelque chose que je ne peux expliquer. Mon frère, merci. Puisse Dieu te bénir. Amen. Tu vois, parfois la façon dont un homme traite sa propre femme, je sais que chacun gère ses problèmes à sa manière. Je le comprends. Mais ce n'est en aucun cas une raison valable pour qu'un homme se mette à taper sur sa femme. Tu comprends? Pour moi, j'ai eu de gros problèmes avec mon épouse qui nous ont conduits au divorce. Mais je n'ai jamais frappé sur ma femme. La seule chose que je reconnais avoir fait, c'est de partir là-bas et récupérer mon fils pour revenir au Nigeria. Voilà pourquoi je vis maintenant avec lui. Donc, nous sommes les seuls à vivre dans cette maison depuis quelque temps déjà. Je comprends ce que vous dites. Je le comprends. Mais c'est que, même si je décide de rester, je serai comme ça tout le temps. C'est tout ce que j'ai. Comment vais-je faire? Je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai aucune tenue de rechange. Je ne sais pas comment gérer ça. Ne t'inquiète pas, ok? Après tout ceci, je vais sortir tout à l'heure pour te trouver quelques trucs de quoi te changer, ok? Hey! Ne t'en fais pas. Merci, monsieur. Vous êtes si gentil, monsieur Patrick. Que Dieu vous bénisse. Amen. Monsieur Patrick. C'est bien. Oui. Merci pour tout. Vraiment, merci pour tout. Je ne sais même pas comment te remercier. Si vous m'aviez laissé mourir sur cette route. Vous ne pouvez pas dire ça. Sans que personne ne vienne à mon secours. Qu'est-ce que je serais devenue? Ne pleure pas. Que Dieu te bénisse. Ça va. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Ça ira. Ça ira, d'accord? Ça va aller. Ne pleure plus. Arrête de pleurer. Excuse-moi, s'il te plaît, j'ai besoin d'un renseignement. Je suis à la recherche de quelqu'un. Hein? En fait, c'est ma femme. Elle est grande de taille. Oui, elle est grande. Elle n'est pas très potelée. Et elle portait une jupe. Est-ce que vous l'avez vue, s'il vous plaît? Non, je ne l'ai pas vue. Hein? Je ne l'ai pas vue. Pas du tout. Je ne l'ai pas vue. Wow. Tout va bien? Ne vous inquiétez pas, ça ira.
Quelle galère. Quelle galère. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Par où est-ce que je vais commencer? Ma petite fille chérie, oh. Tu vois, papa est rentré, il t'a ramené un jus et des biscuits. Je sais que tu aimes beaucoup ça, bébé. Allez, viens manger. Hmm? Tu manges, non? Je ne vais rien manger jusqu'à ce que maman revienne. Et si je dois mourir, alors laisse-moi mourir. Hey. Ma fille, arrête de parler de mort, non? Regarde-toi, tu es toute chétive. Essaye de manger quelque chose, s'il te plaît. Hein? Il faut que tu manges quelque chose, s'il te plaît. Écoute. Tu es tout ce que j'ai, oh. Écoute, tu ne devrais pas parler de mort, ça me fait trop peur. Hein? Tu es tout ce que j'ai dans ce monde. Hein? Attends, mais ça c'est encore qui? C'est ta mère. Bébé, je sais que tu as fait venir ce policier ici aujourd'hui pour m'arrêter. Mais officier, avant que vous ne m'arrêtiez, j'aimerais causer avec ma femme. S'il vous plaît. Ma femme. Je sais que je ne mérite pas du tout ton pardon, mais... S'il te plaît, trouve le moyen de me pardonner. Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai pu te faire. J'ai vraiment agi comme un homme dépourvu de tous ses sens. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je suis vraiment désolé. Je te promets que je ne vais plus jamais lever la main sur toi. Quelle que soit la situation, je te le jure sur la tombe de mon père. Je ne vais plus jamais lever ma main sur toi. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Ça ne va plus jamais arriver, je te jure. J'ai déjà promis à notre fille que je ne vais plus jamais lever la main sur toi, s'il te plaît. Juste pendant ces quelques jours où tu n'étais pas là, la vie était complètement insupportable pour moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolé, s'il te plaît. Officier, vous pouvez m'arrêter maintenant. Monsieur Alex. Je le mérite. Monsieur Alex. Officier. Je ne suis pas un officier de police. Et je ne suis pas là pour vous arrêter. Vous voyez, à cause de votre maltraitance constante vis-à-vis de votre femme, elle a failli perdre sa vie. Vous comprenez? Mais, gloire à Dieu, elle est toujours en vie. Et je l'ai ramenée ici pour que vous trouviez un terrain d'entente. Elle vous aime énormément. Et la meilleure chose que vous puissiez faire pour elle, c'est de l'aimer en retour. Et inconditionnellement. Voici votre fille. Elles ont toutes besoin de votre amour. Votre amour, partenaire et l'autre. Ok.
Alors s'il vous plaît, faites en sorte qu'elle se sente à l'aise. Prenez-la de nouveau. Comme votre femme bien-aimée, d'accord? Je suis vraiment désolé, s'il vous plaît. Aidez-moi, je dites-lui que je l'aime du plus profond de mon cœur et que je ne vais plus jamais lever ma main sur elle. S'il vous plaît. Je vous en supplie. C'est bon. Tout va bien. Tu l'as entendu? Il est désolé du mal qu'elle t'a causé. Il promet de ne plus recommencer. D'accord? Je sais que c'est très difficile. Mais essaye de lui pardonner et recommencer sur une nouvelle base. Je te promets que je ne vais plus jamais me comporter de la essaye sorte, de trouver une place dans ton cœur pour lui pardonner. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Tout ira bien désormais. S'il te plaît. S'il te plaît. Je te le promets devant les témoins, je ne vais plus jamais te faire du mal, je t'assure, je te promets. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. S'il te plaît.